Bonjour, bonsoir, ici Tammy Cabage. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la méga pêche. Dans cette vidéo, je vais vous parler de Warren Buffett. Comment Warren Buffett est devenu milliardaire? Comment il a réussi finalement à devenir l'un des hommes les plus riches au monde? Alors, je reprends cette phrase de Warren Buffett parce que je la trouve géniale. Warren Buffett, my wealth, en anglais, attention. My wealth has come from a combination of living in America, some lucky genes, and compound interest. Donc je reviens sur, je traduis pour ceux qui ne maîtrisent pas l'anglais. Donc ma richesse vient d'une combinaison de pas mal de choses. Je vis aux États-Unis, la chance et bien évidemment les intérêts composés, les rendements composés. Alors tout d'abord, la puissance des rendements composés. Donc moi, pour moi, c'est vraiment le facteur le plus important. Ça marche que ce soit en bourse, que ce soit dans l'immobilier également d'une autre manière, mais ça peut également marcher. Et puis les rendements composés, c'est quoi? C'est le fait effectivement de placer le plus tôt possible son argent en bourse et la bourse va faire son travail toute seule. Vous n'avez même pas besoin de faire des efforts, etc. Ça va faire son job et à un certain moment, vous misez 1 et vous récupérez 5 ou 10. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, l'intérêt ici, c'est quoi? C'est de travailler sur le long terme, c'est pas effectivement d'être suractif et ça marche. C'est-à-dire, ça marche et c'est extrêmement efficace. Deuxième point sur lequel j'ai envie de revenir, c'est le danger des commissions. C'est-à-dire que beaucoup de gens, encore une fois, font trop de transactions et se retrouvent avec des commissions qui sont trop importantes et ne gagnent pas assez. L'investissement à long terme et l'intérêt de l'investissement à long terme, c'est justement de faire le moins de transactions possible, de faire le moins d'erreurs possible et de laisser le temps faire son job. Troisième, je dirais, point fort de Warren Buffett, c'est qu'il a un système et ce système, il l'applique à la lettre. Devenir un millionnaire en bourse, je vais vous dire un truc, ça ne demande pas d'être hyper intelligent, d'être super brillant. C'est juste appliquer un système, une méthodologie. J'explique tout ça dans TKL Bourse. Franchement, même un enfant de 10 ans, j'ai envie de dire, peut le comprendre. Maintenant, bien évidemment, moi, je rentre dans des choses hyper compliquées, hyper pointues, mais je les simplifie de manière à ce que vous n'ayez pas à vous poser énormément de questions en situation. Mais ce n'est pas super compliqué. Le plus important, encore une fois, c'est de maîtriser, d'avoir une bonne méthodologie et d'être confiant hein, que sa méthodologie est bonne et qu'elle marche. Donc, appliquer le bon système et ne pas tomber dans le piège des gourous et des comportements moutonniers. Encore une fois, les gens, et pourquoi Warren Buffett, justement, il a cet avantage énorme par rapport à la grande majorité des investisseurs, c'est que ce n'est pas un mouton, c'est que c'est quelqu'un qui est indépendant des autres et c'est une personne qui, justement, a su prendre des décisions et des positions quand tout le monde ne voulait pas les prendre. Et quand vous voyez par exemple sur internet les vidéos qui ont le plus de succès, ce sont les vidéos qui font peur. Pourquoi? Parce que justement les gens adorent avoir peur, ils adorent écouter les gourous qui leur font peur. Et si vous êtes capable justement de ne pas tomber dans le piège de la majorité qui aime se faire peur, qui aime tomber dans le piège des gourous, et si vous faites les choses différemment et vous dites ok, c'est super, eux ils tombent dans le piège des gourous, je vais vous donner un exemple. Il y a beaucoup de personnes qui me disent Tammy, il y a tel économiste qui dit c'est la crise, les États-Unis vont s'effondrer, les bourses américaines vont s'effondrer, les bourses européennes vont s'effondrer. Et cette personne, c'est un étudiant d'ailleurs qui m'a écrit ça récemment, il m'a posé cette question. Et ma réponse, elle est très simple. Ces gens-là, ils disent la même chose depuis 10 ans. Depuis 2009, ces gens-là, ils répètent la même chose. Et vous verrez, allez sur Google, etc. et recherchez ce que disent ces personnes. Mais les gens sont des moutons. Ah, désolé hein, d'être direct. Les gens sont des moutons. Parce que ces gens, ils ont une mémoire courte. Ils oublient ce que ces gens avaient dit il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 5 ans. Mais pourquoi les gens sont des moutons? Parce qu'en fait, ces gens-là leur disent ce qu'ils ont envie d'entendre. Les gens ont envie d'entendre parler d'apocalypse, de fin du monde, d'effondrement. Vous voyez ce que je veux dire? Le problème, c'est qu'en suivant ces gens-là, on perd énormément d'argent. Donc, il faut être hermétique à ces gens-là. Il faut être totalement indépendant, totalement autonome. Et c'est l'un des points forts de Warren Buffett. Et ça permet justement de comprendre pourquoi il est devenu milliardaire. Et un dernier point sur lequel j'ai envie de revenir.
Warren Buffett a parlé de vivre aux États-Unis. Bon, vous n'êtes pas obligé aujourd'hui de vivre aux États-Unis. Ça, c'est un premier point. Vous pouvez, depuis n'importe quel endroit de la planète, investir en bourse. Deuxièmement, la chance. La chance, on n'a aucune emprise sur la chance. D'accord ? Certaines personnes auront de la chance, elles vont naître avec de la chance, d'autres pas. Mais ensuite, moi, ce que je crois, c'est qu'on peut créer son opportunité, on peut créer son avenir. Il y a beaucoup de gens qui parlent du continent africain et disent « ouais, le continent africain est un continent pauvre ». Mais c'est le continent où les millionnaires croissent le plus rapidement possible. Prenons également le cas de l'Asie. Ce que je veux dire, c'est que les opportunités, il y en a partout. Maintenant, l'immense majorité ne voudra pas saisir ces opportunités. L'immense majorité préférera se plaindre, se morfondre et expliquer que c'est la faute des autres si elles n'ont pas réussi. Ne faites pas partie de cette immense majorité et faites partie de la minorité. Je vais vous dire un truc, c'est sympa de faire partie de la minorité de temps en temps et c'est vachement bien. Et si vous voulez réussir, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Ne faites plus partie de la majorité. La majorité peut avoir raison dans les urnes, on parle d'un système démocratique, mais dans la vraie vie, c'est pas la majorité qui gagne, c'est pas la majorité qui a raison. D'accord ? C'est la minorité, parce que ce sont des gens qui ont compris ce qu'il fallait faire. Donc suivez la minorité, pas la majorité. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager un max, d'en parler autour de vous. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Il y a bien évidemment plein de formations qu'on offre gratuitement. Donc cliquez sur les descriptifs, vous allez apprendre énormément de choses. À très bientôt les amis. N'oubliez pas, encore une fois, de liker cette vidéo. De liker cette vidéo. Ciao, ciao, ciao. We'll be right back.